Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la boutique VIP Crostiche. Donc vous aurez compris, pour celles qui connaissent, que c'est un unboxing de broderie. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup à vous montrer, il y a un seul kit, mais conséquent. Donc j'ai pris un kit qui est quand même big pour une fois. C'est très rare que je prends des très grands kits, mais là le dessin me plaisait beaucoup. Donc je sais pas quand est-ce que je vais le faire, hein, et combien de temps je mettrai pour le faire surtout, mais bon, il me plaisait, c'est principal. Donc c'est un Joy Sunday comme d'habitude, comme je fais la plupart du temps. Donc voilà le dessin, voilà, plein de chevaux, un peu style japonisant, parce que là, vous voyez, c'est écrit un peu en japonais, ne me demandez pas ce qui est écrit, hein. Je n'en sais strictement rien. Alors, je vais vous montrer ça. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je viens de les recevoir, là, il y a quelques minutes. Enfin, le. Alors, je sors tout. Si ça veut bien sortir. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, il y a le sachet avec les explications derrière, les différents points, comment on fait pour le nettoyer. Une fois qu'on l'aura terminé. Et donc, on a un très gros livret cette fois-ci. C'est tout à fait normal puisqu'il y a quand même... il est très grand. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, ça, c'est la feuille. Voilà, je vous la remontre. C'est mieux qu'avec le plastique. Et donc, voici le livret. Donc, le livret, il est en 21 parties. Derrière, vous avez déjà des des références DMC. Voilà. Avec, alors, en full stitch, full stitch, c'est quoi déjà? Ben, c'est les croix, normalement, hein, full stitch, ouais. Et, alors, oui, de toute façon, il n'y a rien d'autre. Ah, ben, il n'y a pas de point arrière, rien. Donc, oui, non, ce n'est que des croix. Il n'y a pas d'autres points à faire. Donc, c'est un kit assez simple. Voilà. Alors, sur le livret, je vous montre quelques pages. Voilà. Vous voyez. Donc, les couleurs correspondent, alors, les couleurs qui sont dans le livret, comme ceci, correspondent aux couleurs qui sont ici, aux symboles, hein, je vous parle. Puisqu'il y a une différence de couleurs au niveau des symboles avec la toile. Voilà, ça j'explique toujours ce qui est ici dans le livret. Les symboles qui sont là, pas les références, hein. Les références DMC, elles sont toujours pareilles, que ce soit sur la toile ou sur le livret. Mais les symboles, ceux qui sont sur le livret correspondent au livret. Et ceux qui sont sur la toile correspondent à la toile. Voilà. Alors, donc là, on va avoir beaucoup de fils. Alors, je ne vous ai pas dit la taille de la toile, bien sûr. Alors, c'est une 14 CT. Et la toile fait 90 sur 46 cm. Donc, avec le blanc, hein, avec la marge blanche qui fait environ
5 cm de chaque côté. Ouais, même pas 5 cm de chaque côté. 4 cm de chaque côté. Alors, oh là là, il y a plein de fils. Donc, on a nos deux aiguilles ici. Alors, je n'arrive jamais à avoir un kit. Alors, j'ai déjà vu d'autres personnes qui font des unboxings aussi, même par partenariat, qui ont des petits sachets où il y a plusieurs choses dedans. Il y a le découvite, il y a un petit pompon avec plein d'aiguilles dessus, il y a plein de petits objets, et moi j'arrive jamais à l'avoir, je sais pas pourquoi. Je ne l'ai encore jamais eu, et là je vois que pourtant c'est un grand kit et je ne l'ai pas. J'arrive jamais à l'avoir, je sais pas. Bon, je pleure pas pour l'avoir, mais bon, c'est je ne l'ai jamais. J'ai jamais la petite pochette avec le kit complet où il y a tous les aiguilles, le petit dé, le découvite. Moi, j'arrive pas à l'avoir dans le kit. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, voilà les fils. Alors, voilà déjà une partie. Donc, il y a beaucoup de blanc. Là, il y a encore une sorte de blanc, mais pas tout à fait pareil. Là, ça, c'est pas un noir, non. Alors, par rapport à d'habitude, ils mettent, on n'a que le numéro de référence, enfin le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et là, je vois que j'ai également j'ai le nombre des chevaux, enfin de fils, et j'ai la référence DMC dessus. Ça, c'est pas mal. Et ici, donc le deuxième. Voilà, hop, je vais me prendre à l'endroit. Voilà, le deuxième. Et niveau noir, j'ai du noir un peu. Voilà. Le noir, j'ai ça. Voilà. Sinon, après, j'ai des gris, j'ai un peu de marron orangé, un petit peu de vert, du rose. Là, j'ai un tout petit bleu. Alors, vous voyez. Là, il me marque 1 parce qu'il n'y a que une longueur de fil. Voilà. Là, par exemple, il me marque 3. Donc, j'ai 3 longueurs de fil. Voilà, c'est ça. Donc là, je sais combien de longueurs de fil j'ai cette fois-ci. Ça, c'est la première fois que je l'ai, par contre. Hop, voilà. Donc là, j'ai de quoi faire, hein. Et maintenant, le kit, enfin la toile. Ouh, les jolis confettis! Ouh là 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 là! Ouh, il y a du confetti dans l'air! C'est carnaval! Ouais, il y a du confetti dans l'air. Alors, je vous montre la toile d'abord en grand. Voilà. Bon, je suis derrière, donc je vois pas ce que vous voyez, mais voilà. Il y a quelques petites surfaces où ça va, qui a, vous voyez, le bleu là, par exemple, le bleu là aussi, là le blanc, mais après c'est du confetti, confetti, confetti. Alors, je sais pas si je vous l'ai mis à l'endroit, si, hein, je pense, puisque là c'est écrit en haut, ouais, ça doit être à l'endroit. Mais alors, alors, je vais vous montrer du confetti. On va le plier, ça ira mieux. Yeah. Voilà, le confetti. Et il y a du confetti partout, 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 partout.
On va s'amuser. Ouais, on va s'amuser. Ouais, il va falloir que... Là, il n'y a pas... C'est ma loupe obligatoire. De toute façon, la banderie, moi, c'est ma loupe obligatoire. Donc... Bon, il y a quelques grandes surfaces quand même, mais pas beaucoup. Donc là, de toute façon, il faudra travailler carré par carré. Hein. Je pense que ce sera le mieux. Mais bon, voilà. On dirait une carte. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, que j'ai eu à la boutique VIP Crostiche. Allez, on emballe les fils. Et puis voilà. Donc oui, c'est vraiment... L'autre fois, je me posais déjà la question, je dis mince, il y en a plusieurs qui ont le petit sachet kit. Et moi, je ne l'ai jamais eu. Jamais. Je ne sais pas pourquoi. Bien. Mais bon. C'est rien, hein, c'est pas grave. Donc voilà, alors comme d'habitude, moi je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la boutique et je vais vous mettre également le lien pour retrouver ce kit si jamais il vous intéresse. Hein, si vous aimez bien faire des grandes broderies comme ça. Bon, je vais le ranger après parce que sinon ça ne va pas le faire. Si ça vous plaît. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, sur la boutique hein, VIP Crostiche, il y a plein de modèles du plus petit, du plus simple au plus grand. Il y a des modèles encore plus grands que ceux-là. Donc, n'hésitez pas à les voir si vous aimez bien faire la broderie. Donc, il y a des broderies en 11 CT, en 14 CT. Il y en a qui sont... Il y a quelques broderies non estampées, donc qui sont en point compté également. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à aller visiter le site. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.